Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Waouh, je suis dans un espace incroyable. J'ai facilité une journée de classe corps, légèreté de l'être et du corps, où on a fait des processus corporels pour libérer toute la gravité qui est stockée dans le corps et dans notre être et pour éliminer tous les sentiments qui nous maintiennent dans le fait d'invalider toujours notre être. Et ça a ouvert un espace incroyable. Et pendant la pause, j'ai tiré l'énergie avec un super groupe pour inviter de nouvelles relations dans nos vies, dans nos business, dans nos relations de couple. Et là, je finis la journée après avoir passé un moment avec ma maman et avec ma fille, un moment super. En rejoignant un autre groupe hyper engagé et hyper magique pour explorer encore une fois le manque et les possibilités. Et c'était incroyable. Et je finis ce truc et d'un coup je me connecte à waouh. Et demain j'ai encore cette rencontre avec Stéphanie Meyer qui arrive où on offre un Facebook Live sur le groupe que j'ai créé de déballer le cadeau que vous êtes. Et donc demain avec Stéphanie, on se rejoint et on va parler de être chelou, aussi chelou qu'on l'est vraiment. Et c'est super fun et je suis super contente de créer ça. Et après-demain, je continue avec en rejoignant Romain et Stéphanie pour lire ensemble la suite du livre Le Club des Gentlemen. Et le soir, je rejoins des tonnes de personnes super engagées aussi pour lire le cahier de l'argent. Et ça continue, et ça continue, et ça continue. Et en fait, j'ai juste eu un moment de waouh, j'ai tellement de gratitude pour mes choix. J'ai tellement de gratitude d'avoir choisi encore et encore et encore et encore et encore et encore de continuer et de ne pas m'arrêter. Et les moments où je choisis de m'arrêter, eh ben, c'est juste pour 10 secondes. Et puis les 10 secondes suivantes, je choisis autre chose. Et j'avais vraiment envie d'être cette invitation ce soir. Ok, même quand c'est compliqué, même quand c'est difficile, même quand... est-ce que vous pouvez juste accepter ça, accueillir ça, le vivre pendant 10 secondes et choisir autre chose et demander l'aisance et choisir encore et choisir encore et choisir encore. Et ce soir, avec le groupe des 5 jours, Stop au manque et place aux possibilités, on a une énorme conversation sur plein, 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 plein de choses. Ça a duré encore 1 heure cette soirée et c'était juste incroyable. Et à la fin, on a vraiment fait un tirage d'énergie qui était incroyable. On a invité tous les éléments, toute la conscience. Et vraiment, on s'est invité nous-mêmes à recevoir le soutien de tout l'univers, de tous les êtres de conscience avec et sans corps. Et on a monté le volume, vraiment monté le volume de notre puissance. C'était incroyable. C'était waouh. Et vraiment de percevoir à quel point tout l'univers, la Terre, les êtres de conscience sont là et sont prêts à nous soutenir, à contribuer pour nous, à créer avec nous, à jouer avec nous, à nous inspirer, à nous soutenir, vraiment nous soutenir. C'est un tel cadeau. Combien de murs de séparation, combien de barrières, combien de barrages, combien de blocs est-ce que vous avez créé autour de vous et à l'intérieur de vous pour ne jamais recevoir, demander et reconnaître la contribution que l'univers est prêt à être pour vous? Que tous les êtres de conscience et les personnes qui vous entourent sont prêtes à être pour vous. Et si les personnes qui vous entourent sont pas prêtes à vous soutenir,
Est-ce que vous pouvez reconnaître à quel point vous êtes toujours prêt à vous soutenir vous-même? Et est-ce que vous pouvez demander à inviter des nouvelles personnes dans votre vie qui sauront vous honorer tout autant que vous vous honorez vous-même, qui sauront reconnaître le précieux que vous êtes, le cadeau que vous êtes, tout autant que vous commencez à le reconnaître de plus en plus? Est-ce que vous pouvez demander à l'univers de vous montrer de quelle façon il vous soutient et à quel point il est prêt à vous soutenir? Et on a aussi parlé à nouveau de cet outil qui est vraiment magique pour moi par rapport à l'argent, de combien d'argent est-ce que je dois avoir pour créer le changement que je désire dans le monde? Et on est vraiment allé regarder au-delà de, vous savez, là, c'est comme si on avait une chape. Avec jusque-là, on peut imaginer, on peut demander parce qu'on conçoit ce qui est disponible. Et au-delà de ça, c'est juste inconcevable et on ne peut même pas imaginer qu'il y a autre chose de plus grand que ça. Et si on pouvait aller justement demander des choses encore plus grandes que tout ce qu'on peut imaginer, au-delà de cette réalité, au-delà de toutes les réalités et vraiment au-delà de notre réalité, au-delà de nos points de vue, de nos limitations, de nos points de référence, de tout ce qu'on connaît et de tout ce qu'on sait être possible. Qu'est-ce qui est disponible au-delà de ce qu'on peut imaginer? Au-delà des chapes qu'on s'est mis au-dessus de nous, de ça. Je peux demander jusque-là et puis au-delà de ça, je peux pas. Au-delà de ça, il n'y a rien. Il n'y a rien qui existe. Quelles sont les possibilités illimitées auxquelles vous refusez d'accéder? Parce que vous n'êtes pas prêt à demander encore plus grand que ce que vous connaissez. Et si vous étiez prêt à demander au-delà de tout ce que vous connaissez, au-delà de tous vos points de référence, qu'est-ce que l'univers pourrait vous montrer? Et si vous demandiez déjà à voir les possibilités au-delà de votre réalité, au-delà de vos points de référence, qu'est-ce que l'univers pourrait vous montrer? Qu'est-ce que l'univers pourrait vous apporter? Quelle contribution est-ce que vous pourriez recevoir? Et vraiment, qu'est-ce que vous pouvez faire? Et qu'est-ce que vous pouvez être? Qu'est-ce que vous pouvez choisir à chaque instant qui vous permettrait d'accéder à tout ça? Et vraiment, 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 je réinsiste là-dessus. Le choix, c'est vraiment votre outil magique. C'est votre baguette magique, le choix. Donc, qu'est-ce que vous n'êtes pas prêt à choisir que si vous le choisissiez, vous permettrez de créer et de recevoir au-delà de toutes les réalités et non-réalités, avec aisance totale en plus. Quelle joie orgasmique, quelle vie orgasmique est-ce que vous pourriez être? Et quel choix est-ce que le monde vous demande de faire et d'être pour faire de ce monde un endroit orgasmique et joyeux et nourrissant et plein de possibilités? Qu'est-ce que vous pouvez être? Qu'est-ce que vous pouvez choisir? Qu'est-ce que vous pouvez demander aujourd'hui, maintenant et toutes les 10 secondes? Et à quel point est-ce que vous pouvez vous engager envers vos demandes et envers ce que vous choisissez, envers vos choix qui vous permettraient d'actualiser tout ça avec aisance totale? Et si vous saviez vraiment que l'univers entier vous soutient, qu'est-ce que vous pourriez choisir et actualiser? J'avais envie de parler un petit peu avec vous parce que je suis après cette soirée de dingue. Et aussi, je suis vraiment, 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 vraiment hyper enthousiaste par rapport à une autre création qui est en cours avec Stéphanie. On est en train de créer pas mal de choses ensemble. On va bientôt faciliter une classe fondation toutes les deux au Pays Basque, dans un lieu superbe, à côté de la mer, à côté de l'Espagne, au soleil, en plein mois de juin, ça va être fabuleux. Et avant ça, on vient de créer un programme en ligne qu'on a appelé Change ton corps, mange différent. Et je suis aussi très, 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 très heureuse de créer ce programme avec elle. Ça va être explosif. Je perçois vraiment de plus en plus l'énergie et c'est waouh. Et qu'est-ce qu'on va faire pendant ces 21 jours? On va vraiment aller explorer
les comportements addictifs, compulsifs, obsessionnels qu'on peut avoir avec la nourriture et avec nos corps. Bien sûr, ça ne parle que de corps et que de nourriture. L'argent n'a jamais rien à voir avec ça, n'est-ce pas? Et les relations non plus d'ailleurs. Et on va vraiment aller explorer différents outils pour manger différemment, pour vraiment se connecter à une autre façon de manger, beaucoup plus en harmonie avec notre corps. On va vraiment inclure notre corps pendant ces 21 jours et reconnaître à quel point on a des capacités avec nos corps. On a vraiment des capacités incroyables avec nos corps. On peut changer nos corors de façon tellement dynamique et ils sont tellement conscients et ils peuvent tellement contribuer en fait dans notre vie si on choisit de les inclure, de les écouter. Et du coup, voilà, ça va être vraiment un programme intensif. On se rencontrera 3 fois sur Zoom et puis il y aura différents outils qui seront proposés chaque jour, des vidéos chaque jour avec des exercices, avec on va aller déblayer plein, plein, plein de choses, explorer plein, plein d'outils et ça va être waouh! Juste si vous pouvez capter cette énergie. Et voilà, donc il y a plein, plein, plein de choses super excitantes. Et en fait, j'ai vraiment énormément de gratitude pour tous les choix que je fais. Et ce n'est pas tous les jours forcément aussi fluide, mais j'ai tellement de gratitude de toujours choisir de poser des questions, de toujours choisir d'être la question, d'être l'espace de quoi d'autre est possible au-delà de cette réalité. Et vraiment, en fait, quand on s'engage envers soi et envers ses choix, il y a tout qui peut changer. Il y a tout qui est possible. Et quelle invitation est-ce que je peux être pour que vous reconnaissiez ça, que tout est possible, que tout peut changer, que vous pouvez tout transformer dans votre vie, dans vos relations, avec l'argent, avec absolument tous les sujets qui peuvent vous tenir à cœur. Et ah oui, et puis je crois que c'est jeudi soir aussi, le 9, il y a un atelier, j'offre un atelier en ligne. Pour parler de la classe, parler aux entités et de recevoir la contribution des classes qu'on choisit. Et pareil, je suis super contente de ça. Il y a plein de classes qui arrivent, de classes parler aux entités qui arrivent, fondation en juin, et plein, 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 plein de cadeaux en fait. Et à quel point est-ce que vous pouvez être présent avec vous-même et quelle intensité de présence consciente est-ce que vous pouvez être avec vous? Avec vos choix, avec vos demandes, pour permettre à tout de s'actualiser et d'être aussi grand que c'est possible de l'être. Et à être même encore plus grand que tout ce que vous pouvez imaginer et concevoir, au-delà de tous vos points de référence. Et quel espace est-ce que vous pouvez être et avoir dans votre corps et dans votre vie? Vraiment, quel espace est-ce que vous pouvez avoir et être dans vos corps et dans votre vie qui vous permettrait de tout demander et de tout recevoir avec aisance totale? Et quel espace est-ce que vous pouvez avoir et être dans votre corps et dans votre vie qui vous permettrait de changer l'énergie de absolument tout et de créer quelque chose de différent, de sortir de la solidité et de la contraction de cette réalité, de tout ce qui est grave dans cette société, dans cette réalité, avec les corps, avec la vie, avec l'argent, et vraiment d'être un autre espace. Et c'est vraiment ça l'invitation de quelle énergie, espace et conscience générative, mon corps et moi pouvons être pour blablabla, tout ce qu'on désire actualiser dans notre vie. Aujourd'hui, pendant que je recevais le processus corporel, à un moment, j'ai reçu le processus parce qu'on était en nombre impair. Et c'était vraiment cet espace qui était là de, OK, quel espace est-ce que je peux être et quel espace est-ce que je peux avoir ici qui permettrait à tout dans ma vie de changer et de se manifester encore plus grand que tout ce que je peux imaginer. Et ça a ouvert vraiment un espace qui était waouh. Et donc, je vous invite aussi à jouer avec cette question, avec cet outil. Bonsoir à tous.
Voilà, donc quel choix est-ce que vous pouvez faire que vous n'avez encore jamais fait qui vous permettrait de tout recevoir et de recevoir encore plus grand que tout ce que vous pouvez imaginer? Et quelle personne nourrissante est-ce que vous pouvez inviter dans votre vie qui ajouterait encore plus de fun, encore plus d'espace, encore plus de légèreté, encore plus de joie dans votre vie et qui créerait de nouvelles possibilités avec vous? Et je vous embrasse tous très 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 fort. Et si vous avez des questions sur quoi que ce soit dont j'ai parlé, les ateliers ou les classes ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas, vous m'écrivez un petit mot. Ce sera avec plaisir. Et je vous souhaite une belle soirée, une belle nuit et quelles grandes et glorieuses aventures nous attendent tous. Et quelle invitation pour de nouvelles possibilités est-ce qu'on peut tous être pour le monde? Merci à vous.